L'obézrat HaShem, le Zohar de ce matin, patach Rabbi Shimon va gourou lachem ipnechaherev. Dit Rabbi Shimon, faites attention à l'épée. Ezecherev. Qu'est-ce que c'est cette épée? Dit Rabbi Shimon, Ezecherev. Il dit ici, mancherev, dacherev no kemet nekam L'épée qui venge la brit mila. Il dit ici, man de bebrit, Bebrit, de man de bebrit, bebrit no kman -min -mine. Hai cherev. Haycherev. Celui qui triche dans la brite mila, il y a une épée qui va le venger. Alors, on va expliquer. Nous a nous a donné la mitzvah de circoncision. Okay? Mais non, c'est pas suffisant d'être juif d'une mère juive. C'est n'est pas suffisant que ta mère est juive. Il y a un autre facteur, la mila. Parce que, regarde, il y a une halakha. Tu es né d'une mère juive, d'un père juif, d'une mère juive, mais tu, tu n'es pas circoncis. Tu n'as pas le droit de manger comme un bo. Si tu n'es pas circoncis, oui, tu es juif à 100%. Ta mère est juive, ton père est juif, mais tu n'es pas circoncis. Tu ne peux pas manger comme un pésach. Selon certaines opinions, pas tout le monde, selon certaines opinions, tu peux pas monter à la Torah. Parce que tu n'es pas circoncis. Tu n'es pas circoncis. Il y a dans qu'un homme non circoncis, il a un problème. Il y a une alacha, selon certaines opinions, que si tu n'es pas circoncis, tu dois mettre le tefilim pendant le Shabbat. Pour nous, c'est interdit de mettre le Tifilim pendant le Shabbat. Pourquoi Parce que chaque, toute la semaine, nous avons, toute la semaine, incluant le Shabbat, nous devons avoir deux signes sur nous du judaïsme. Le signe s'appelle en hébreu "ot". En semaine, tu as la Brit Mila, "ot berit kodesh". Tu as le le Deux signes. Arrive Shabbat, il faut enlever un signe pour rentrer le Shabbat qui s'appelle Hôte. Le Shabbat qui Hôte-i, Béni ou Ben, Béni-Israël. Est-ce que tu peux enlever la Brit Mila Non, tu veux pas. Alors qu'est-ce que tu enlèves le Téphilim Tu enlèves le Téphilim, tu rentres le Shabbat. Mais celui qui n'est pas circoncis, il n'aura pas de signe. Il aura qu'un seul. Un seul qui est le le, Brit -Mila, qui est le le Shabbat. Ou le deuxième, il est obligé de mettre Téphilim pour avoir deux Hôtes sur lui. Quel? Alors, tu vois, le, la brite mila, c'est tellement important. C'est un facteur du judaïsme. C'est, ça que tu peux être juif, mais sans brite mila, tu es empêché de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a lu hier dans la paracha? Moshe a négligé la brite mila de son fils, euh, Machlok et qui était ou, ou Gershom. En route, un malheur qui vient sous forme de serpent, l'avale de pied jusqu'à la brite mila, et de la tête jusqu'à la brite mila, il veut le tuer, presque mort, Vient Tsipora, elle trouve une pierre aiguisée, elle a compris, c'est à cause quelque chose qu'à la bride. Elle trouve une pierre aiguisée, elle coupe la bride de son fils avec une pierre okay? aiguisée. Et le malach, il lâche Moshe Rabbeinu. La Torah te dit que même Moshe Rabbeinu ne serait pas épargné de ne pas se concilier son fils. Même lui, il serait mort. Qu'est-ce qui serait devenu de la en Israël C'est lui qui aurait dû nous sauver. Si le malach l'aurait tué, si Tsipora n'aurait pas compris, il serait mort. C'est tellement important la Brite. C'est pour ça, que tu ne peux pas retarder une bride. Il y a des gens par convenance, euh, on va faire un brunch, alors on va faire la midi à 5. Dis-moi, la Brite mais c'est la chose le plus vite. ce mieux. Il y en a qui la font au Vatican déjà. La Brite mais là, tu ne retards pas. C'est quelque chose qui est très important. Le huitième jour, en tard. Tu fais la Brite mais tout de suite. Alors, c'est lui qui met chaque herbe à bride. Qu'est-ce qu'il fait il va avec une femme non juive. Il va avec une femme mariée. Il va avec des filles célibataires. Il est marié. Dis-moi, tout ça, c'est Méchakir Babrit. La Brit mais là, c'est Berit Kodesh. C'est un signe sacré. Sacré, ça veut dire, toi et ta femme, fini. Tu n'as pas le droit d'aller avec une autre femme. Okay? Pour te dire que, dit Rabbi Jomalkhaï, Gouro la faites attention à l'épée. Il y a une épée qui va venger tout celui qui est Méchakir Tout celui qui... Qui triche sur son Brite. Alors pour dire, dit Rabbi combien on doit faire attention à la Brite Mila de la garder en pureté et en sainteté. Pour avoir ce mérite ken? de être appelé Béné Bérite. Celui. Ken? Alors pourquoi vous croyez, regardez, Rabbi Yehoshua dit, Israël Béné Melachim, nous sommes des princes, toi, Israël, c'est des princes. C'est pour ça qu'il dit Rabbi bar Yochai, tu peux faire la prière la de, 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 de prière jusqu'à la troisième heure de la journée. Pourquoi? Hein? La troisième de la journée, c'est rien que les rois qui commencent à se lever le, le matin. Okay? Ils sont toute la soirée, ils, 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 ils se couchent tard, ils se lèvent tard. Okay? Alors jusqu'à trois heures, ils se lèvent à la troisième heure de la journée. Tu peux faire la prière jusqu'à la troisième de la journée. Okay? Regardez aujourd'hui dans la famille royale de, de la Britannie. Okay? La famille comment il s'appelle Il s'appelle The British. Toute la famille royale, tous les hommes sont circoncis par un Moël cachère, pas par un Goy. Une circoncision par un Goy n'est pas cachère. Une circoncision par un docteur, c'est pas cachère. Il faut un Moël qui fasse la Mila selon la halakha. Okay? Mila, pria, tout ce qu'il faut. Okay? Le, la famille royale de en, en, en Britannie, ils invitent un Moël, un rabbin, un Moël, et ils circoncisent tout le garçon de la famille de de, 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 de royale Alors c'est pour ça qu'ils disent British British british. ils sont ils circoncisent chaque homme, okay? Pour te dire regarde, ils ont compris, Bnei israël menachim ils se circoncisent. Alors ils vont avoir ce sang sacré de juifs. Alors eux aussi ils se circoncisent pour dire l'importance de la brit mela. Amen amen.